Ok l'équipe, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à Barcelone pour faire découvrir un shop purement barcelonais, SS Stuff. C'est parti, je vous amène avec moi. Ok l'équipe, donc on est arrivé. Le magasin se trouve Carrière del Duc, un magasin assez spécial. Il est divisé en trois parties. À droite, c'est une partie où il y a des marques qui sont en vente comme ceci, etc. En haut, c'est un salon de coiffure et au sous-sol, du coup, c'est la marque SS Stuff. Allons, on y va. L'équipe, donc on est dans le shop. Donc la particularité, c'est que chaque pièce a un concept et un emballage bien stylé. Donc par exemple celui-là. Par exemple à l'arrière, il y a les petits jeux pour enfants là où on reliait les points entre eux. Ça donne le logo du shop. Un petit emballage qui vient avec. Il est vendu comme ça, avec un petit stylo pour pouvoir rejoindre les points. Donc, chaque petit donc a un concept bien précis. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ok, donc là il y a un outil qui a été spécial pour l'Asie. Et donc l'emballage, pareil, c'est une petite boîte de nouilles. On achète l'outil et le packaging. C'est une petite boîte comme ça, donc avec l'outil à l'intérieur. Ok, donc un des meilleurs packagings pour moi, c'est ce t-shirt. Quand on l'achète, on le reçoit comme ça. Donc il est emballé dans un petit sachet et on reçoit ça avec un marteau et un petit tournevis où il faut casser la pierre pour pouvoir retirer son t-shirt. Du coup, il y en a avec des emballages plus classiques, par exemple celui-là, le Classic Tee, il est vendu dans une boîte de mouchoir, plusieurs coloris, noir, gris, vert, menthe, etc. Et celui que je trouvais sympa, c'était le t-shirt vache, c'était un de leurs premiers, il me semble, et il y a un tag comme sur l'oreille des vaches qui indique la taille, très sympa, il existe en noir et en blanc. Il existe aussi un violet. Et du coup, pareil, avec son petit emballage spécial voyant, le set de voyance. Tac. Incroyable. Bon, voilà, chaque tee aussi change de couleur avec la chaleur, il y a des petits éléments qui apparaissent. Et quand on l'achète, il est vendu avec une petite prise anti-moustique avec l'effigie de la marque. Pour moi, l'un des plus cool, c'est ce t-shirt. Au dos, il y a un petit jeu à gratter. Et donc en dessous, il y a vraiment des signes, etc. Et donc, il y a les règles expliquées. Si on gratte et qu'on trouve 3D, on a 20% sur n'importe quel produit du magasin. Si on trouve 3-7, on a clairement un item offert au choix. Un autre outil existe en sweat et en t-shirt. Donc la particularité de celui-là, c'est qu'en fait, il sent la lavande. Même après plusieurs lavages, il sent toujours la lavande. Donc le print est super joli aussi, comme ça. Et il est vendu avec un truc qui sent bon, là, je sais pas comment on appelle ça. Et dans les voitures, il sent la lavande aussi. D'accessoires, ils ont aussi pas mal de trucs. Casquettes et bobs sont reliés au concept des classiques tics que j'ai montré tout à l'heure. Il y a différents coloris et la broderie change de couleur avec la lumière du soleil. Un autre ticket sympa, c'est celui-là. C'est les Fortune Tee. Le concept, c'est comme les petits gâteaux chinois. Chaque fois qu'on les craque, à l'intérieur, il y a un petit message. Le t-shirt est unique, c'est-à-dire que sur chaque t-shirt, il y a un petit message différent. Et l'emballage, c'est dans comme un petit paquet de biscuits. Donc avec l'explication à l'arrière et la petite boîte qui va bien. Bon, et un des derniers, c'est le Trash Tee. Donc il y a des petites taches à droite à gauche. Et vendu avec des petits sachets poubelles comme du magasin. Can you explain me when was created the brand and by who? It's two guys here from Barcelona. Yeah, brand from Barcelona too. All the fabrics, the store too, is in Barcelona. Two guys, one is from China and the other guy is from Barcelona. And what's your inspiration for the creation of the store? All is inspiration. You're walking on the street, you can see something, yeah, oh, it's nice. I can make t-shirt, like, okay. I don't know, yeah. And all it's fabric? Here? Yes. Okay. Some packaging, all this stuff. Yes. And on the social network, you say that you will move. Yeah. Yeah. Because the store is so small. Branded every day, it's bigger and bigger. Yeah. And I need more space.